Next. Ok, position. Allez, allez. Let's go, let's go, let's go, let's go. 34 ans, à l'âge où certains évoluent encore sur les parquets, lui a choisi une autre voie, celle du poste d'entraîneur. J'ai d'abord joué au basket. Mais rapidement, aux alentours de 15-16 ans, quand les sélections commencent à se faire et qu'on se rend compte que ce serait un petit peu juste, bah, j'ai voulu rapidement me mettre vers le coaching, l'entraînement, ça m'a plu et c'était pour moi un autre chemin pour me rendre vers le haut niveau. À la vingtaine, Julien Maillet entraînait déjà des joueurs de 35 ans, alors l'âge n'a jamais été un obstacle pour lui. Évidemment, ça change quelques relations parce que on se retrouve avec des garçons qui sont de la même génération que nous pour certains, donc on est confronté aux mêmes choses de la vie. Quentin Serron a 6 ans de moins que Julien Maillet, mais la hiérarchie entraîneur-joueur est bien établie. L'âge, il n'y a pas d'âge, c'est mon coach, je dois respecter ce qu'il dit. Il y a une forme de respect aussi qui s'installe. Arrivé en 2013 à Gravelines, Julien Maillet a été l'entraîneur des espoirs du club, puis assistant coach l'année dernière. Une première expérience chez les professionnels qui l'a motivé à devenir numéro 1. La saison passée, je pensais que c'était le bon moment pour tenter de franchir le pas. Et dans ce cadre-là, je souhaitais vraiment commencer dans un club que je connaissais. Grâce à la confiance des dirigeants, on a pu le faire ici. Et oui, ça m'a semblé être vraiment le moment opportun. Si on ne laisse pas les jeunes arriver sur le marché, ben, il y aura toujours des anciens. Et on ne laissera pas d'opportunité à ceux qui ont envie de s'exprimer et qui ont un certain charisme et une certaine ambition positive pour réussir. Ses succès avec le centre de formation ont convaincu ses dirigeants de le nommer entraîneur principal. Il a pris en début de saison la suite de Christian Monchot, qui était en poste depuis 9 ans. Désormais, c'est Julien Maillet, le patron du vestiaire nordiste. Vendredi, jour de match pour Julien Maillet. Tonight against this type of team, we really want to score every game. That's really important to decide the game we want. And we want to stop them. Let's go together. Ensemble, là, le 3. Ensemble. 30 minutes avant le match, la routine de l'entraîneur s'installe. Un moment de calme pour se mettre dans sa bulle. Visage fermé, concentré. Julien Maillet arrive dans le Sportica à un quart d'heure de l'entre-deux. Julien Maillet, le BCM ont connu un début de saison compliqué. 4 défaites lors des 4 premières journées de championnat. Le doute aurait pu s'installer chez le jeune entraîneur. Mais Julien Maillet a su redonner confiance à son groupe. Il a responsabilisé de jeunes joueurs et Gravelines a retrouvé une solide base défensive. Ce vendredi, le BCM occupe la 10e place au classement après 27 journées. Et Julien Maillet et ses hommes accueillent Chalon-Reims pour encore croire au play-off. Depuis son banc, l'entraîneur observe le début de match compliqué du BCM. Il n'hésite pas à recadrer ses joueurs. Je suis un petit peu plus expressif que dans la vie quand je suis sur un banc de touche. Mais j'ai besoin de faire vivre les choses, que les joueurs sentent que je suis derrière eux. Et puis c'est ma façon aussi de vivre le match. Pour Julien Maillet, manager les joueurs est le vrai changement du poste de numéro 1. Entre la gestion des temps de jeu et les rôles sur le terrain, le jeune coach communique beaucoup avec ses joueurs. J'aime dialoguer avec les joueurs. Parfois, je leur demande leur avis. Parce que, tout simplement, en partant d'un point très précis, ce sont eux qui jouent. Donc quand on prend des options tactiques, je veux qu'ils soient à l'aise avec ce qu'on fait. Julien Maillet et Gravelines l'emportent sur Chalon-Reims 97-83. Pour sa première saison, l'entraîneur continue d'engranger de l'expérience. Ça me rend plus fort et surtout, ça me donne encore plus de détermination à vouloir faire mieux. Voilà, je pense que je suis ici dans un bon cadre de travail. Un lieu qu'il n'est pas prêt de quitter, le club nordiste l'a prolongé pour 2 nouvelles saisons.